Bonjour, pour cette nouvelle expression internetique de l'émission Que vivent nos relations TV. Donc c'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. Et aujourd'hui, le thème va être ce qu'on peut appeler la position du sauveur. On peut aussi parler du syndrome du sauveur ou du complexe du sauveur. Je pense que le terme complexe est plus adapté, complexe c'est plus orienté psychologie, syndrome c'est plus orienté symptôme physique. Donc voilà, peut-être que le terme le plus clair c'est le complexe du sauveur. Qu'est-ce que ça implique? Alors aussi, avant de donner mon point de vue, donc comme d'habitude, c'est pas la vérité que je vais exprimer sur le sujet. Je cherche pas à avoir une position officielle, je cherche pas à m'appuyer sur des positions officielles. Bon, parfois il y a des gens qui viennent sur en commentaire de mes vidéos en essayant de pouvoir chercher à établir des vérités par rapport à tel ou tel officiel, telle ou telle autorité. Je respecte cette approche, mais elle ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas moi du tout à prétendre à des vérités ou à pouvoir dire voilà, c'est comme ça la vérité. Je cherche juste à témoigner parce que mon optique à moi, c'est d'aider des personnes qui ont des difficultés. Donc mon axe, il est là, il n'est pas de chercher à être une autorité de quoi que ce soit ou un expert de quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, voilà, c'est pas, vous comprenez du coup, hein, c'est pas mon axe de vous dire, je suis pas un dictionnaire, quoi, je suis pas là pour vous donner la définition qu'il faut croire de ce que j'appelle le syndrome du sauveur. Je suis là pour parler de quelque chose indépendamment des mots. Donc, je vais essayer, j'ai que les mots pour vous parler, je vais essayer avec les mots de vous inviter, parce que de toute façon, ça ne peut être qu'une invitation. Après, il va falloir que vous fassiez votre expérience du sujet. Vous inviter à vous relier à cette portion de l'expérience humaine que je vais essayer de décrire. Donc grossièrement, d'abord, on va mettre l'étiquette complexe du sauveur. Ceci va se situer en marge de toutes les vidéos que j'ai faites qui s'adressent aux victimes des manipulations. Je dis bien en marge parce que ce que je vais décrire là, je vais, même si ça implique certaines manipulations, même si les manipulateurs utilisent ce que je vais dire, je ne vais pas me placer dans le cadre de ces vidéos-là parce que le syndrome du sauveur, ça peut être aussi quelque chose qui est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonne volonté, beaucoup même de gentillesse, voire même de douceur. Malheureusement, par contre, beaucoup d'insistance et beaucoup aussi de manque de conscience des espaces de responsabilité des uns et des autres. Mais voilà, donc comme c'est beaucoup plus large que simplement ces aspects manipulateurs, même si j'insiste, ça contient des aspects manipulateurs, mais c'est plus large, donc c'est un autre axe. Donc je ne veux pas le positionner dans tout ce qui est manipulation, volontairement. Mais j'insiste, oui, les manipulateurs peuvent utiliser, mais là ils le font sciemment et avec hypocrisie, plutôt la notion de sauveur, je vais en parler. Donc ils ne sont pas tant dans un complexe parce qu'ils n'en souffrent pas spécialement, ou disons que leur souffrance est ailleurs. Et voilà, donc oui, ça contient la manipulation, mais comme ça contient bien d'autres choses, je veux parler de l'ensemble qui contient aussi d'autres choses. Vous voyez, c'est comme si la frontière que je peux poser entre les comportements non manipulateurs et les non manipulateurs, la frontière est là. Bah, les complexes du sauveur, il chevauche la frontière. C'est pourquoi il faut le positionner indépendamment de tout discours pour moi sur les manipulations. Je m'excuse, là j'ai fait beaucoup une introduction assez grande. Alors, le complexe du sauveur va consister en premier lieu justement à savoir, à prétendre savoir ou à croire savoir que l'on sait ce qui est bien pour les autres. C'est la base. C'est quelqu'un qui pense avoir trouvé une vérité, quelque chose de magnifique, qui en est convaincu. Parfois, je dis bien parfois, parce que bizarrement c'est pas systématique, parfois c'est surtout des choses qui lui font du bien à lui, ce sont des solutions personnelles, ce sont des motivations, des satisfactions personnelles, et la personne est tellement enthousiaste avec ça qu'elle va chercher à diffuser la bonne nouvelle. Donc la caricature du complexe du sauveur, c'est tout le milieu chrétien.
pense avoir une bonne nouvelle et qui la diffuse à tout le monde, quitte à génocider des peuples pour faire ça. Donc c'est une caricature, c'est vraiment le paroxysme du complexe du sauveur. Mais évidemment, ce n'est pas le seul milieu qui peut tomber dans ces dérives-là. Donc la base, elle est là. Je suis convaincu que quand je suis dans la position du sauveur, je suis convaincu que je sais ce qui est bien pour les autres et donc je vais sauver les autres. Voilà. Et que ce soit à leur insu ou pas, en général, ça n'importe pas tellement au sauveur. Bien sûr que, encore une fois, il ne va pas y avoir du tout noir, tout blanc. Donc il y a des gens qui sont dans un complexe du sauveur qui est excessivement irrespectueux et qui sont capables de tout pour imposer à l'autre ce qui est bien, pour lui forcer à faire ce qui est bien. Sans aller jusque dans les milieux chrétiens, il y a pas mal de familles qui fonctionnent comme ça. Il y a pas mal de parents qui fonctionnent comme ça avec leurs enfants une fois qu'ils sont devenus adultes. Je tiens parce que quand ils sont enfants, bon, c'est tangent, mais c'est plus compliqué à clarifier comme étant du sauveur ou pas. Mais par contre, une fois que vos enfants sont plus des enfants, sont plus que vos filles et vos fils adultes, bah, ils ont leur propre vie et dans l'idéal d'amour, elle doit être respectée. Donc si vous continuez à être intrusif dans la vie de vos fils et de vos filles sous prétexte que vous savez mieux qu'eux ce qui est bien pour eux, ça s'appelle le complexe du sauveur. Je ne vais pas revenir sur pourquoi c'est irrespectueux. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres vidéos. J'ai fait une vidéo la dernière sur la relation saine. J'ai fait une vidéo sur le respect, la responsabilité. Donc cette notion de pourquoi c'est problématique d'être intrusif dans l'espace de responsabilité de l'autre, je l'ai bien abordé. Donc je vais pas rentrer dans les détails de ça là. Je m'appuie simplement sur ça. Et l'idée, c'est bien de voir que le sauveur, il est encore une fois, ça peut être quelqu'un d'absolument adorable, gentil, bienveillant. C'est une autre phrase qui symbolise bien le complexe du sauveur, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'avec des merveilleuses intentions, on peut totalement détruire la vie de quelqu'un, juste parce qu'on ne le laisse pas vivre. Ou parce qu'on a tort en pensant que certaines choses sont bien pour lui ou pour elle, alors que la personne étant différente, ça ne fonctionne pas. Ce qui est bien pour vous, simplement, ce n'est pas ce qui est bien pour les autres. C'est très très simple. Je ne sais pas, hein, je vais prendre un exemple vraiment bateau, plutôt dans un cadre familial du complexe du sauveur. C'est des gens qui ont réussi leur vie avec des métiers, je ne sais pas, d'avocat, de médecin, de banquier, voilà, des métiers qui ont... J'ai mon truc de cheveux qui est en train de partir, c'est pas grave, je vais l'enlever comme ça, c'est mieux. Avec des métiers voilà, qui sont très reconnus en Occident, qui sont très valorisés et qui, c'est compréhensible, vont tout faire pour aider leurs enfants à suivre une voie similaire. Or, dans l'eau, il y a peut-être un enfant qui a vraiment ce qu'on peut appeler une âme d'artiste ou qui se réaliserait vraiment dans des activités, des vécus beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus artistiques et surtout beaucoup plus libres d'expression. Et si les parents, et là du coup ce que je dis, vous voyez que ça commence, ce que je disais tout à l'heure c'est tangent, là ça commence même à l'enfance, en tout cas à l'adolescence, quand on fait des choix de formation, des choix scolaires qui peuvent être cruciaux pour le reste de notre vie, le parent sauveur va être le parent qui... Il ne va pas s'occuper d'abord d'être attentif à son enfant, il ne va pas être attentif à ce qu'il est vraiment, à ce qui pourrait l'épanouir lui, ce qui n'est pas évident parce que puisqu'il est ado, il n'est pas sûr non plus. On peut avoir des phases où on a envie d'être artiste alors que ce n'est pas forcément notre truc. Voilà, c'est tout ça est complexe. Donc, mais le parent qui va vouloir sauver son enfant en disant mais moi je sais ce qui est bon, toi tu connais pas le monde et tu te rends pas compte vers où tu vas, blablabla. Bref, les discours peuvent être même très très argumentés, très étayés, très pertinents aussi quand quelqu'un est sûr de quelque chose. En général, il y a des bonnes raisons pour qu'il soit sûr de quelque chose et simplement on peut ne pas se rendre compte que l'autre, surtout si c'est notre enfant, est très très différent de nous. Et que toutes ces bonnes raisons ne valent pas grand-chose dans les critères, dans les valeurs, dans les systèmes de pensée, dans la mémorisation. Allez voir les vidéos sur l'altérité, je parle un peu de ça, de l'enfant. Et du coup, en voulant le pousser sur une certaine voie qui nécessite un peu plus de rationalité, un peu plus de rigueur mentale, on va peut-être complètement le détruire en fait. Alors que si l'enfant a besoin, même si c'est qu'une phase,
Quand je dis l'enfant, là, ça va être encore une fois plutôt l'ado si, ou le jeune adulte, s'il a besoin, même si c'est juste une phase, d'expérimenter les aspects artistiques. Alors oui, c'est vrai que dans notre société, c'est risqué. Mais s'il a envie de ça, c'est là qu'il va s'épanouir, quitte à lui-même se rendre compte que ce n'est pas son chemin. Un humain vivra toujours beaucoup mieux le fait de découvrir par lui-même que quelque chose n'est pas son chemin, que si on lui a interdit de prendre un chemin et on l'a empêché d'essayer de voir si c'était son chemin ou pas. Parce que là, ça ne peut construire que des regrets. Alors que si on essaye soi-même et qu'on se plante, au pire, ça construit un échec. Mais l'échec, il y a bien un moment dans la vie où on se rend compte qu'en fait, c'est un terreau pour apprendre. Et donc, on apprend un peu mieux qui on est à travers des échecs. Donc voilà, c'était un cas, un exemple. Hein. Ça peut aller dans plein d'expressions, de comportements, de décisions, de choix très 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 différents que ce complexe du sauveur. C'est très caractéristique aussi au niveau social, au niveau sociétal, au niveau des même je vais dire géopolitique, où l'Occident est très sauveur, c'est-à-dire qu'il va sauver les peuples qu'elle considère, parce qu'elle ne s'est pas ouverte à eux, comme inférieure. Et donc elle va imposer son fonctionnement. Bien sûr, il y a des intérêts derrière, eux on n'en parle pas trop, mais on fait comme si on va les sauver, quoi, hein, les pauvres autres cultures. Donc, et bien sûr, parfois ça va jusqu'au génocide, donc la destruction est assez claire. Donc l'idée, c'est aucun adulte ne doit avoir à sauver quelqu'un si cette personne ne le demande pas. Ou si on n'est pas dans un cas évident, hein. Je dis quelqu'un qui est en train de se noyer, sauvez-le, hein. N'attendez pas qu'il vous le demande officiellement, bien sûr. Mais en général, ce n'est pas ce dont il s'agit, hein, quand on parle du complexe du sauveur. Donc, que vous demandiez de l'aide, c'est une chose. Donc là aussi, j'ai fait toute une vidéo sur la relation d'aide, sur être aidé, la responsabilité d'être aidé. Il y en a même deux de vidéos. Donc allez voir, c'est encore une vidéo qui s'associe à celle-ci. Parce que voilà, l'alternative saine à aider quelqu'un, parce que je ne vois pas de problème à aider quelqu'un, c'est tout ce que je décris dans cette vidéo-là, sur comment prendre la responsabilité d'être aidé et toute la relation que j'exprime là entre les aidants et les aidés. Et pour moi, en dehors de cette relation-là, et vous verrez que j'exprime que la base, c'est que l'aide doit être claire et c'est l'aider qui guide, ce n'est pas l'aidant, on n'aide pas les gens en dirigeant les gens. On ne sauve pas les gens en dirigeant les gens. C'est mon point de vue, hein, je l'assume, on pourrait être en désaccord avec ça. Donc le complexe du sauveur est très facilement identifiable à ça. Le sauveur va toujours être le directeur, le dirigeant, celui qui impose, celui qui sait et qui sauve celui qui ne sait pas. Donc là on est dans un rapport de pouvoir, on est dans un rapport de dominant-dominé, et évidemment il n'y a pas de sauvetage dans ce rapport-là. Le sauvetage est un rapport de service, on est au service de l'autre. Donc c'est avec cette conscience très claire qu'on ne se fait plus du tout et plus jamais avoir par le complexe du sauveur, qui est un complexe très grossier et donc très facile à identifier avec ce critère-là. Voilà, celui qui est dans le complexe du sauveur n'est jamais humble, n'est jamais au service de l'autre. Alors il va le dire, hein, je suis au service, je suis à ton service, mais tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça, mais non, tu comprends rien. Donc non, là il n'y a pas de service. Le service, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est ça le service. Donc c'est aussi simple que ça. J'insiste, à part dans des cas voilà, de danger physique, hein, où là vous pouvez sauver et être intrusif, et si quelqu'un évanouit, qui va se faire bouffer par un tigre, si vous avez les moyens, sauvez-le du tigre. Mais on est bien d'accord, c'est pas ce dont je parle. Hein. Je parle pas de ça. Ça c'est des sauvetages ponctuels dans des systèmes dans des situations de danger ponctuels. Le complexe du sauveur ne représente pas un sauvetage ponctuel. C'est un comportement, voire une relation totale. Donc vous allez avoir dans votre entourage des amis, des collaborateurs, donc des parents ou des enfants. Hein. Des fois, c'est les enfants qui veulent sauver les parents. Donc bref, vous allez avoir des gens qui instaurent avec vous une relation de pouvoir, une relation dominant-dominée, dans laquelle ils vont chercher à vous sauver. Alors je voulais finir en exprimant un petit peu qu'est-ce qui se passe pour le sauveur. Le truc, c'est que, encore une fois, comme c'est souvent bienveillant, non, je ne vais pas finir avec ça, c'est l'avant-fin.
j'ai une autre idée que je vais terminer plutôt avec l'autre idée que j'ai annoncée d'ailleurs au départ. Donc depuis l'intérieur du sauveur, en fait, il y a une inconscience totale. Le sauveur projette sur l'autre un problème qu'il a eu lui. Donc en général, le sauveur cherche à sauver sa propre histoire. Il y a quelque chose dans son histoire qui s'est mal passé. Soit il a eu un papa, un maman qui n'allait pas bien, donc il fallait sauver. Soit ils ont vécu ce que c'est de ne pas être sauvés quand ils en avaient besoin, de ne pas être compris, de pas être, qu'on ne soit pas présent. Donc soit c'est des gens qui regrettent ou qui se sentent coupables de ne pas avoir pu faire quelque chose pour quelqu'un dans leur enfance. Soit c'est des gens qui souffrent qu'on n'a rien fait pour eux alors qu'ils en avaient besoin. Et donc ils vont projeter cette problématique, soit de culpabilité intérieure, soit de manque intérieur, dans toutes les situations qu'ils vont rencontrer. Ils vont le faire inconsciemment. Et donc ils vont chercher à se sauver ou à sauver leur histoire en projetant et en s'investissant dans les histoires des autres et en se mêlant des histoires des autres. Donc le fondement psychologique du sauveur, c'est ça. Probablement qu'il peut y avoir d'autres causes. Hein. Là, encore une fois, il n'y a pas de recette de cuisine en psychologie, mais disons que c'est les deux origines les plus fréquentes que j'ai observées. Voilà. Et dernière chose que je voulais dire, j'ai un peu parlé des manipulateurs au début. Donc, bien sûr que le manipulateur conscient va n'avoir qu'une rhétorique du sauveur. Il ne va pas être du tout là dans le vrai complexe du sauveur qui va consister sincèrement, avec bienveillance, à sauver l'autre. C'est juste une excuse, parce que c'est très pratique de se faire passer pour un sauveur, pour un gentil. Donc la différence qu'il y a entre le vrai, c'est pour ça aussi que je voulais séparer cette vidéo des vidéos sur les manipulations. Le vrai complexe, je peux dire comme ça, du sauveur, pour moi, comme son complexe l'indique, c'est une souffrance. C'est quelqu'un qui a un problème intérieur et qui fait n'importe quoi dans son rapport aux autres à cause de ce problème intérieur. Alors que le manipulateur simplement utilise la couverture du sauveur, mais il le sait sciemment. Alors je parlerai là plutôt de la stratégie du pompier pyromane. Voilà, c'est plutôt les manipulateurs ont plutôt des stratégies, ils n'ont pas des complexes. Ils ont un complexe de dévalorisation, mais c'est autre chose. Ça, j'en ai parlé à un moment donné, hein, sur une toute première vidéo sur la manipulation. Mais voilà, pour moi, le manipulateur va mimer le complexe du sauveur. Il va faire semblant d'être un sauveur, mais sciemment, c'est lui qui crée le problème pour ensuite pouvoir s'imposer comme le sauveur, le dirigeant qui va pouvoir instaurer la stabilité qu'il a lui-même cassée, ou la sécurité devant l'insécurité qu'il a lui-même créée. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la stratégie du pompier pyromane. Alors que le complexe du sauveur, vous voyez, c'est quand même différent. La personne, elle est de bonne foi, elle pense vraiment qu'elle aide les autres. Bien sûr, encore une fois, il doit y avoir des frontières, il doit y avoir des personnes qui basculent un petit peu entre les deux, qui ont certaines consciences de ce qu'ils font, mais que c'est tellement intéressant pour eux qu'ils jouent le rôle du sauveur, et peut-être aussi qui croient un peu les choses et qui se manipulent un peu eux-mêmes. Donc comme toujours, hein, en psychologie, puis dans la vie en général, il n'y a rien de noir et blanc, mais c'est toujours intéressant de poser des étiquettes, même si elles sont infidèles, voilà, même si elles contiennent toujours des frontières floues. Mais au moins, on voit bien la différence entre la stratégie du pompier pyromane, le complexe du sauveur, et puis dans cette différence factuelle, après, bon, il y a des gens qui peuvent naviguer. Mais dans les deux cas, là, on est affaire à des stratégies qu'il vaut mieux fuir, qu'il vaut mieux savoir évaluer, et auxquelles il vaut mieux ne jamais participer. Ne vous laissez jamais sauver par un sauveur. Ne croyez jamais qu'un pompier pyromane pourra vous apporter quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Voilà mon témoignage et ma proposition. J'espère qu'elle aidera certaines personnes. Au revoir.